Salut à tous, une fois de plus on se retrouve dans l'atelier. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait mon fameux abreuvoir hier, qui franchement pour l'instant fonctionne à merveille. Donc je le mets en test avec mes messors certainement dans l'après-midi. Ce matin j'en ai fait un avec une petite bouteille et une coupelle plus petite en dessous, mais franchement je vous le déconseille, la coupelle n'est pas du tout pratique. Vaut mieux avoir une belle une coupelle plus pratique à déplacer. Donc je vais prendre, il va falloir un tube. Moi j'ai pris un tube qui traînait chez moi, un foret comme ça qui est adapté à la taille du tube, hein. Moi c'est du 25 sur un tube de 25 forcément. Il va falloir une chute de verre. Alors là il y a du 4. Moi c'est sur du 4 que j'ai fait cela. Et ça c'est du 6. C'est les plaques de renfort d'aquarium qui mettent dans la largeur au milieu. Donc je vais essayer de le faire là-dedans. Ça va changer. Niveau protection, protégez-vous ceux qui veulent faire ça, surtout les jeunes. Hier j'ai pas voulu, j'ai bricolé et j'ai pas voulu mettre de gants pour jouer au grand. Et j'ai fini avec les bords d'un foret qui m'ont fini dans la main. Je l'ai senti passer parce que c'était un foret à bois avec les petits bords. Donc il va vous falloir ça, une pierre pour ceux qui n'ont pas la pierre qui tourne. Moi je vais le faire la pierre qui tourne, je gagne mon temps. Mais une pierre à affûter, c'est pas mal. Les gants, les lunettes. Donc il faut deux forêts. Voilà, un 25 pour le tube et un de 50. Je pense 50 c'est bien. En support. Bon bah c'est parti. Ah si, je sais pas si vous avez vu, j'ai apporté quelques petites modifs aussi sur la bébête. Je vais vous redresser un peu. Hop. Je vais déplacer tout ça, que vous puissiez voir la pierre et tout. Voilà. Donc en fait j'ai apporté des ressorts de tension pour que mon plateau reste bien fixé là où il faut. J'ai mis une tige de renfort percée là aussi qui sert à justement maintenir mon plateau bien dans le fond. J'ai agrandi mon plateau et j'ai décalé la perceuse plus par là pour pouvoir avoir un champ de travail plus facile pour les nids. Donc je vais commencer par le gros disque. Donc la même, hein. Des forêts à verre, à diamant, toujours mouillé. Et c'est parti. Pendant le perçage, le foret qui se bloque, ça c'est pas top. Mon mandrin qui se desserre, les aléas du bricolage.
Et on redescend un petit peu, c'est reparti. Voilà. Donc sur du 5 mm, sur du 6 mm, ça fait impeccable. Je pense que la coupe elle va être assez pratique à prendre à la main. Donc ça va être assez cool. Donc après on passe sur le forêt plus petit. La couche de protection de... Hop. Donc là on va passer sur le 25. Je me disais, c'est bizarre, on t'a pas entendu toi. On a compris. On va éviter les dégâts comme tout à l'heure. Donc sur votre pastille de 5, bah de 50. Je vais repercer, mais sans traverser de l'autre côté. Il faut vous arrêter à mi-chemin. Après, moi, je vais pas le mettre au milieu, j'aime pas. Je préfère avoir une partie plus grande, comme ça, ça permet de le poser même dans un angle. Et ça permet d'avoir une plus grande surface devant. Donc, après, chacun son truc. Quoique, celui-là, il est fait comme ça. Je vais le centrer pour voir. Bah, j'ai essayé de le centrer pour voir. Hop. Bon bah c'est reparti pour la même chose. Là il y a la forme du verre. C'est pas étonné. Voilà. On essaye de le centrer. On va essayer de le faire centrer celui-là. Ça vous donne tout simplement ça. Et le tube qui s'enclenche pile dedans. Alors après, pour que ça soit plus propre, soit à la pierre affûtée, soit avec une petite pierre comme ça à eau. Moi je prends la pierre à eau, c'est plus rapide. Bien. En fait, je fais tourner juste ma pierre, mon morceau de verre dessus. Après, je le fais légèrement en biais pour casser les arêtes. Thank you.
On peut faire la même chose avec une pierre à affûter. Voilà. Donc là, le truc, c'est que quand on met de l'eau, ben, il ne se vide pas. Donc le truc, c'est avec une pierre ou avec ça. Moi, j'utilise ça parce que je gagne du temps. Mais il faut faire des petites encoches juste sur le bord du verre. Juste sur le bord. Je vais en faire quelques-unes et je vous montre. Petit souci sur le bord du verre, j'aurais mieux fait de le faire à la main. Ah, comme un con, je tape dessus. Bon, moi j'ai tapé dessus, forcément, il s'est cassé. Bon, celui-là, il sera recoupé. Mais je vais vous montrer sur celui-là. Je vais enlever les gants parce que... Prendre l'abreuvoir, c'est casse-couille. Voilà. Que je prenne pas le sopalin avec. Voilà. En fait... Faut faire des toutes petites encoches. Regardez dessus. Les toutes petites encoches que j'ai fait. Parce qu'en fait, le tube là que je viens de fissurer, c'est un qui était cassé avec quoi j'ai fait ça. C'est la même chose. Donc celui-là va faire la même chose, je vais le retailler. Mais c'est les petites encoches qui sont importantes. Donc là, je vais laisser là celui qui était déjà fait. Je vais prendre celui que je viens de faire. Hop. Et en fait, le truc avec les encoches, quand vous l'empilez dessus, je vais vous montrer ça. Hop. De l'eau. Là. Je vais me mettre là pour que vous voyez bien. Hop. Il faudra un truc noir, si possible. Un truc assez foncé, ça sera plus facile. Oula, ça sera plus facile pour vous de voir. Après, il vous suffit juste de faire ça. Hop. Votre abreuvoir, il est prêt. Donc, est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit. Donc après, il n'y a que 1 mm en fait sur le bord. Et quand les fourmis viennent boire dessus, le temps que l'abreuvoir se mette sous dépression, et après on va voir les bulles remonter. Tac. Je ne sais pas si vous voyez bien les bulles. Je vais essayer de vous le mettre en démo, mais plus près. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Il n'y a que un petit millimètre là. Et encore un millimètre, je suis grave gentil. Où les fourmis peuvent boire, et quand elles boivent, c'est pas facile à faire en hauteur. Je sais pas si on va voir les bulles. Attendez. Je vais vous déplacer. On va être mieux sur un plan de beaucoup plus près. Voilà. Voilà. Là, vous voyez bien comment c'est fait en fait. C'est vraiment... Il n'y a vraiment pas de place pour qu'une fourmi passe, quoi. Il y a vraiment un tout petit millimètre. Et quand on le met en absorption, quand les fourmis viennent se mettre dans le bord, là, juste là, elles peuvent boire directement l'eau. Et
et on voit que le remplissage d'air se fait à la descente. Ça marche plutôt bien. Et si les fourmis arrêtent de boire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de fuite. Il y a vraiment zéro fuite. Et comme je vous disais ce matin tout à l'heure, celui-là. Celui-là que j'ai fait ce matin, c'est le même. Celui-là que j'ai fait ce matin, hop, c'est dans une petite bouteille de sans sauce. C'est le même système. Exactement le même système. Voilà, il y a un peu d'eau, ce que tout à l'heure j'ai cogné dedans. Donc le temps que ça absorbe tout ce qui traîne. Voilà. Et là. Vous avez vu les bulles de remplissage. C'est que les fourmis, elles ont vraiment accès à l'eau, quoi. C'est vraiment, il y a un tout petit millimètre. Mais franchement, ce système-là est pas pratique du tout parce que avec les doigts, bah moi après j'ai des gros doigts, mais c'est pas du tout pratique à prendre la coupelle. Alors que celle-là, franchement, elle est pratique, ça bouge pas, ça pisse pas. Ben voilà. Voilà comment faire un abreuvoir pratique, rapide, pas forcément cher. C'est avec des chutes. Bon ben voilà. Allez, bisous tout le monde. Le doc pour vous servir.